Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna, na Yahweh. Alléluia, Hosanna, na Yeshua. Alléluia, Hosanna, na Yahweh. Alléluia, Hosanna, na Yeshua. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, na Yahweh. Hosanna, na Yeshua. Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yeshua, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yeshua, Hosanna na Yahweh. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna na Yahweh. Alleluia, Hosanna na Yeshua. Alleluia, Hosanna na Yahweh. Alleluia, Hosanna na Yahweh. Alleluia, Hosanna na Yahweh. Alleluia, Hosanna na Yeshua. Hosanna, 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 Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yeshua. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yeshua. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yeshua. Hosanna na Yahweh. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allez, 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 allez. Alléluia, Hosanna. 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 Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna, Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Alleluia. Très bien ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il nous a réunis ce matin
pour que nos yeux puissent s'ouvrir de plus en plus. Il y a une histoire dans la Bible où Saül, ce roi, ce prédicateur qui a perdu l'onction, a dit à toute sa communauté, personne n'a le droit de manger du matin jusqu'au soir. Mais son fils rentre dans les champs, rentre dans la forêt et il voit le miel. Il a pris le miel. Il a mangé le miel. Les gens ont dit, mais l'interdit a des interdits dans le pays. Ton père a dit, personne n'a le droit de manger. Et toi, tu manges le miel. Lui dit, vous ne voyez pas que lorsque j'ai pris ce miel, j'en ai mangé. Mes yeux se sont ouverts. Quelqu'un a dit, mais vous êtes en train de lire Ésaïe 11, 11, Sophonie 3, 10. Vous n'avez pas le droit d'interpréter cela. Parce que si vous interprétez ça, vous mourrez. Il n'y a qu'un prophète qui a le droit de lire la Bible et de l'interpréter. Nous nous rentrons dans le champ. Nous avons vu le miel. Nous avons pris le miel. Et depuis que nous avions goûté à ce miel, nos yeux se sont ouverts. Et on a l'énergie pour aller tuer les Philistins. Alléluia. Ce matin, je prie que votre esprit soit éveillé. Et je prie que partout où cette vidéo va partir, quiconque prendra du temps de l'étudier, de l'écouter, que tes yeux puissent s'ouvrir. Après avoir suivi cette prédication, ne la garde pas pour toi-même. Partage ça à quelqu'un d'autre. Paye même un espace dans une télévision. Fais ça passer. Tu contribueras pour le salut de plusieurs. Ne la garde pas pour toi-même après l'avoir étudié. Accomplis la loi du bien-être. Alors pendant ce temps que nous sommes debout, nous allons prendre les Saintes Écritures. Ésaïe chapitre 11, le verset 11 à 12. Et nous prendrons Deutéronome 32, le verset 26. Et le psaume 83, le verset 1 à 8. Nous commençons avec Ésaïe 11, le verset 11 à 12. C'est devenu des passages familiers parce que c'est là où nous sommes assis. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Amen. Deutéronome chapitre 32, le verset 26, la Bible dit, je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle.
Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Si Ésaïe 11:11 montre le recueillement ou le rassemblement des exilés d'Israël et les déportés de Juda, Sophonie 3:10 les localise en Afrique subsaharienne. Alléluia. Mais les malédictions qui devaient frapper sur Israël, selon Deutéronome 32, le verset 26, l'une des malédictions, il y a la perte des mémoires. Le Seigneur dit, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. C'est pour ainsi dire que Dieu va cacher Israël à la vue du monde entier. Les gens vont les oublier. Vous comprenez ? Ils vivront avec des gens, mais ils ne sauront pas que ça, c'est ce peuple-là qui a donné la Bible au monde entier. Et même eux-mêmes vont s'oublier. Quelqu'un dit alléluia. C'est ça la blessure. Et la guérison de la blessure ne peut arriver que le troisième jour. Et depuis la première dispersion en 721 et la dispersion à partir de 606, alléluia, jusqu'à ce jour, nous avons 2800 ans. Ce qui revient à dire, nous sommes en plein troisième jour. Et la mémoire qui a été disparue, qui avait disparu, selon Ézéchiel 37, alléluia, le premier élément de la restauration des ossements desséchés, ça sera quoi? Les nerfs. Or, les nerfs évoquent quoi? La réflexion ou la mémoire. Donc, lorsque la prophétie de la restauration d'Ézéchiel 37 commence, le premier élément de la restauration d'Israël, c'est sa mémoire qui doit revenir. Quelqu'un peut dire alléluia? Et Dieu nous a suscités, il nous a oint. Donc jusqu'à présent, nous ne sommes qu'au début de la restauration du royaume d'Israël qui commence par la mémoire. Voilà pourquoi Dieu a oint le docteur Aké pour commencer les hostilités. Disons ainsi, les vrais juifs de la Bible sont de peau noire. Et ils sont en Afrique. C'est Ézéchiel 37 qui est en marche. Le retour des nerfs. Et on avait posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, je ne sais pas. Mais l'ange a dit, prophétise sur ces ossements. Prophétise sur ces ossements. Et je prophétisais selon la parole du Seigneur. Ossements desséchés. Écoute la parole du Seigneur. Mais que dit cette parole-là? Cette parole de la restauration dit que le juif de Dieu est noir. Et ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est là où il y a les dispersés de l'Éternel. C'est là où se trouve la véritable adoration. Ce qui devait arriver à Israël parmi ses malheurs, c'est sa mémoire serait oubliée, la disparition de la mémoire. C'est-à-dire, tu es Israël, toi-même tu ne sais plus que tu es Israël. Quelqu'un peut dire amen à cela? Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia! Il a bien compris la leçon.
Alors, nous allons lire le psaume 83, le verset 1 à 8, pour montrer comment la mémoire d'Israël sera oubliée et lesquels qui ont participé à la détérioration de la mémoire d'Israël. Psaume 83. Cantique, psaume d'Azaph, il dit, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. » Là, nous sommes dans le septième psaume. Hein. « Ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui haïssent, te haïssent, lèvent la tête. Ils, les ennemis, forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Qui sont ces gens-là qui font l'alliance? Les tentes d'Édom, c'est-à-dire les fils de Saul, et les Ismaélites, c'est-à-dire les Arabes, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi est avec eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, on peut s'asseoir. Je réitère, prends cette bande, donne-la à quelqu'un, fais-la écouter à quelqu'un, parce que l'invasion commence. Alléluia! Va mettre ça sur une chaîne de télé que tout le monde écoute. Ce matin, je vais parler sur la traversée du Sambatillon. Je reprends. La traversée du Sambatillon. Je vous ai dit que nous avions pris du miel et nos yeux se sont ouverts. Le docteur Aké a toujours dit qu'aujourd'hui, un prédicateur ne peut pas s'aventurer de vous mentir. Parce que l'information est accessible à tout le monde. Donc, si vous on ment, facilement, vous pouvez nous repérer que là, il ment. Et si les gens acceptent d'être mentis, c'est parce qu'il y a une puissance d'égarement qui est tombée sur eux. Donc quand je dis Sambatillon, même maintenant, quelqu'un peut aller sur des recherches Google et tout ça pour vérifier ce que ça veut dire. Alléluia. Le Sambatillon est un fleuve mythique. Comme légendaire, comme un code dans la Kabbalah juive pour cacher la zone géographique où était caché Israël dispersé. Et de façon cachée, ils commencèrent à enseigner dans les synagogues
que viendra un temps où Dieu va réunir le bois de Judas et le bois de Joseph ensemble. Et que les tribus qui ont été exiliées, qu'on a perdu des traces, Dieu les a placées derrière un fleuve appelé le Sambathion. Et selon cette tradition hébraïque, c'est que le Sambathion est un fleuve mystérieux qui sépare les enfants d'Israël avec les enfants de Moshe, c'est-à-dire les Lévites. Et ce fleuve donne des jets de pierre et de sable. Et donc les tribus d'Israël et les enfants de Moshe peuvent communiquer, mais ils ne peuvent pas, alléluia, se réunir ensemble à cause des flots tumultueuses, jetant des pierres ainsi et du sable à travers le fleuve Sambathion. Mais le mystère, c'est que le Sambathion est agité pendant 6 jours. Et le 7e jour, qui est le samedi, le sabbat, le Sambathion est au repos. Et donc, pour traverser le Sambathion, ça doit être le 7e jour. Or, la loi hébraïque les empêchait de traverser le 7e jour parce que le jour du sabbat, il était interdit de faire plus d'un kilomètre. Alléluia. Amen. Et dans l'étude profonde, le Sambathion est allé au-delà d'un fleuve physique, mais devient un code montrant que il y a comme un sort. Alléluia. Amen. Comme un temps qui a été déterminé par Dieu. Il y a un mur prophétique ou mystérieux qui a bloqué Israël derrière un fleuve infranchissable. Mais viendra un temps où le Sambathion va sécher. Alors les enfants de Moshe et les enfants d'Israël pourra se réunir un jour. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ce que je dis là, c'est mentionné dans le Talmud. Est-ce que l'Église peut dire amen à cela? Et dans ces prophéties sur le Sambathion, en rapport avec les dispersés, Sophonie 3, le verset 9 à 10, nous a montré que Dieu, en ce temps-là, va donner à son peuple des lèvres pures, afin qu'ils servent Dieu d'un commun accord. Et ça sera un réveil qui est géographiquement localisable. C'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui est l'Afrique subsaharienne. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Et donc, nous comprenons par là que les dispersés de l'Éternel, tes adorateurs, sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et Dieu les a cachés là, et il devait les révéler à son temps à lui. Et pendant 2 jours, ils seront oubliés au monde. Mais là, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ils subiront, alléluia, le temps de purification afin de payer la dette ou la rançon de la désobéissance à cause de l'idolâtrie, la sentence que Dieu avait prononcée à Abraham, qu'ils subiront l'oppression qui durera 4 siècles. Et c'est cette oppression qui amènera Israël à s'oublier. Mais à la fin de ce temps d'oppression,
qui se termine maintenant. Alléluia. Ils reviendront avec des ressources, avec des grands biens. Alléluia. Et c'est là où commence l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 37 qui parle de la restauration d'Israël. Les nerfs, la peau, la chair et l'esprit reviendra. Mais le premier élément de la restauration, c'est d'abord les nerfs qui est la mémoire. Quelqu'un peut dire alléluia. Ce matin, je veux vous rassurer que Ézéchiel 37 que vous avez lu, c'était une prophétie qui commence à trouver son application maintenant. Parce que la prophétie d'Ézéchiel avait pour rôle de ramener les nerfs. Parce que Israël était mort, décomposé, ramené à l'état de fossile. Voilà pourquoi Ézéchiel ne croyait plus qu'il pouvait encore revivre. Mais l'ange du Seigneur l'a rassuré que la restauration n'est possible que par la voie de la prophétie. Ainsi, j'ai dit dès le départ, heureux sont vos yeux qui voient. Heureux sont vos oreilles qui entendent. Quelqu'un peut dire alléluia. Voilà pourquoi ce matin, les prophètes de l'Ancien Testament, ils sont avec nous ici. Ézéchiel est là. Jérémie est là. Daniel est là. Malachie est là. Même Asaph, prophétisé, il est là. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Quelqu'un va dire, ah, ça c'est pas la nécromancie. Comment les gens qui sont morts, ils viennent à l'église? Amen. Jésus a traité sur la résurrection. Il a dit, ils ne sont pas morts. Alléluia. Quand Dieu est venu à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu parlait comme si Isaac, Abraham et Jacob étaient vivants. Voilà, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Quand Jésus est venu, Élie et Moïse sont venus. Et Luc dit, il parlait avec Jésus sur la mission. Donc, ils ont donné des instructions à Jésus sur ce qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il parlait de sa mission de la mort. Quelqu'un dit alléluia. Ils sont là. Il dit, docteur Ake, avancez. Docteur King, avancez. Parce que nous sommes en plein troisième jour. Alors, selon le psaume 83, il y a une coalition ici. Cette coalition est formée par les ennemis de Dieu. Et les ennemis de Dieu, ils attaquent Dieu en attaquant son peuple. Ce que Dieu protège. Et parmi eux, ils se sont constitués autour de l'ONU. Ils ont légalisé leur association et ils ont pris la résolution de créer la nation d'Israël sans le peuple d'Israël. Alléluia. Ils ont dit, on va les exterminer du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus le nom d'Israël. Qui sont-ils?
Les tentes d'Édom et les Ismaélites, ils sont les premiers. Or, Ismaël est l'oncle même d'Israël. Édom est le frère d'Israël. Parce que Édom, c'est Esaü. Voilà quoi, Édom, c'est le roux. Mais dans le code de Deutéronome, c'est qu'il y a deux personnes, il y a deux nations que Israël ne devait pas prendre en abomination. Il y avait l'Égypte et les Édomites. Il dit parce que Édom est ton frère et tu as été en ce jour en Égypte. Dieu ne dit pas que tu étais esclave en Égypte, tu as été en séjour. Voilà pourquoi tu accueilleras l'Égyptien. Et Édom rentrera dans l'assemblée d'Israël à la troisième génération. Alléluia. En temps normal, c'est Édom qui était l'héritier de la terre d'Israël. C'est Édom, l'aîné, qui devait hériter les promesses d'Abraham. Mais Jacob a eu l'intérêt de ravir le droit d'aînesse et la bénédiction. Et ça a créé un conflit interminable entre les deux frères. Et donc, on avait donné la suprématie à Jacob au détriment de Esaü. Mais quand Esaü a réclamé sa part de bénédiction, Isaac a dit, lorsque Jacob va errer, alors Édom, Esaü, va se libérer de son joug et va le mordre sur le talon. Donc Esaü attaquera Israël par surprise quand Israël sera dans le temps d'errance. Et l'errance d'Israël a commencé par les dispersions. Voilà pourquoi quand Nebuchadnezzar est venu incendier le temple, les Édomites ont contribué pour favoriser qu'il y ait beaucoup de morts parmi les enfants de Juda. Donc Édom se lie toujours, s'associe toujours aux ennemis d'Israël. Ainsi, lorsque Israël a été déporté, ou Juda a été déporté à Babylone, les Édomites se sont accaparés de la terre de Juda. Mais entre-temps, la terre d'Israël a été remplacée par les Samaritains. Et pendant 70 ans, en déportation, la grande partie de Juda est allée en Afrique, une partie est allée à Babylone. Lorsque l'empire babylonien s'écroule, la Perse prend la relève. Et l'édit de Cyrus ordonne aux élites comme Zorobabel, Josué, Némi et Esdras, qui reviennent dans le pays, mais le pays est déjà occupé par les Arabes, c'est-à-dire les Ismaélites, et les Édomites. Voilà quoi les Sombala, les Tobija et tous ces Arabes-là complotaient pour chercher à interrompre la reconstruction du temple. Mais suivez, lorsque l'empire grec, l'empire perse s'effondre, l'empire grec a pris la relève. Et les juifs seront en conflit. Alléluia! Avec les macédoniens, c'est-à-dire une partie des grecs qui régnaient en Judée. Et il y aura guerre. Alléluia! Entre Épiphane et les Judéens, ce qui engendrera la révolte du prêtre Onias. Ah, ça produira
La lignée des Asmonéens, les Maccabées. Alléluia. Et les Maccabées vont combattre les Édomites qui s'étaient emparés de la terre de Juda. Et on vainc les Édomites. Et les Édomites seront soumis. Alléluia. Aux Juifs à nouveau sous les guerriers Maccabées. Mais Jean Hyrcan viendra et il va contraindre les Édomites à se circoncire. Parce que la troisième génération des Édomites, ils entreront dans l'assemblée d'Israël. Voilà comment tous les Édomites, on les a circoncis de force et ils sont devenus juifs. À un moment donné, ces Édomites-là se sont liés à Rome. Et c'est là que commence la lignée d'Hérode. Hérode n'était pas un juif de sang. C'était un Édomite. Voilà pourquoi lorsqu'il a entendu, suivez attentivement. Parce que si la Bible, on ne vous l'explique pas selon la vision hébraïque, vous n'allez pas la comprendre. Frère Branham dit que la Bible appartient à un peuple. Et il faut qu'on l'explique selon les traditions de ce peuple-là. Pourquoi Hérode s'agite? Parce que les mages ont dit, où est le roi des Juifs? Et il donne un édit de supprimer les enfants allant de 0 à 2 ans. Parce qu'il a entendu, le roi des Juifs vient de naître. Parce que si la nouvelle se répand qu'il y a un roi des Juifs est né, alors les vrais Juifs vont se révolter et ils vont le chasser. Parce que Hérode n'était pas un Juif, c'était un Édomite qui a été circoncis. Voilà pourquoi les Cananéens, les fils des Hétiens, on les avait contraints la circoncision pour marier Dina. Donc on peut forcer la circoncision à n'importe qui sans pourtant qu'il ne soit juif. Les Édomites ont été circoncis de force et ils sont rentrés dans l'assemblée d'Israël. Et après, ils ont pris le contrôle de la politique pour comploter avec les Japhétites romains pour assujettir le peuple de Dieu. Voilà quand Jésus, on lui parle d'Hérode, il dit, ce renard-là. Les gens pensaient que Jésus était impoli. Non, ce n'était pas un homme impoli, mais il voulait montrer qu'il n'est pas mon roi. Hérode sur le trône est l'accomplissement de la prophétie d'Isaac qui disait « Lorsque Jacob sera dans le temps d'errance, alors Esaü va se libérer de son joug et va le taquer par le derrière le talon. » Voilà pourquoi quand Jésus était devant Nathanaël, il a dit « Voici un Israélite en qui il n'y avait point de fraude. » Ce n'était pas la fraude spirituelle, non. Nathanaël était un juif de souche. Quelqu'un peut dire alléluia. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, la majorité de ceux qui étaient là n'étaient pas pour eux les juifs. Et le jour de la Pentecôte, les Juifs venaient en Israël, c'était pour adorer. Ils vivaient ailleurs parce qu'ils ne supportaient pas l'hégémonie des Romains. Voilà pourquoi à la tête de cette coalition-là, il y a qui?
il y a Édom et Ismaël. Avec d'autres nations, ils ont pris la résolution de faire disparaître la mémoire d'Israël sur la terre afin qu'on ne parle plus d'Israël. Et en faisant ainsi, ils font quoi? Ils combattent Dieu. Et Dieu sur la terre, il est représenté par son peuple. Voilà pourquoi il est dit, béni soit celui qui bénit Israël, maudit soit celui qui maudit Israël. Quelqu'un peut dire amen à cela? Prendre votre argent, envoyé pour la reconstruction du troisième temple, c'est un complot contre Israël. Je peux entendre un amen à cela? Voilà quoi, ils ont créé des monuments inexistants, comme la tombe de Jésus. Et aujourd'hui, il y a même trois tombes de Jésus. Bon, laquelle qui est la vraie? C'est un fonds de commerce catholique. Je peux entendre un amen à cela? Ils ont créé des tombes d'Abraham, les tombes de Jacob, les tombes de ceci. Mais la Bible dit dans Matthieu 27, quand Christ a poussé un grand cri, tous les saints étaient ressuscités. Quelqu'un peut dire Alléluia! Pourquoi on fait les fouilles en Égypte? On sort les tombes de Pharaon et on a créé une science qu'on appelle l'égyptologie. Créons aussi la science israélogie pour sortir les tombes des saints si réellement ce sont des tombes des saints. Je peux avancer? J'ai dit que ne garde pas cette bande pour toi. On est d'accord? Fais-la écouter à quelqu'un parce que ça doit délivrer les âmes des gens. Nous rentrons dans la première étape de la restauration qui est le retour de la mémoire, les nerfs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un autre mensonge, c'est le mur du temple. Ils appellent ça le mur du temple de Salomon. Mais le temple de Salomon a été détruit par Nebuchadnezzar. C'est après 70 années que Zorobabel est venu reconstruire le nouveau temple, qu'on appelle le deuxième temple. Et Hérode, pour chercher à s'intégrer parmi les Juifs, il a embelli ce temple-là. Et en l'an 70, Titus, le général romain, avait rasé ce temple. Il n'y avait plus le temple, ni un muret n'était resté. Et après, sur le même emplacement, on avait reconstruit un nouveau temple païen consacré à Jupiter Olympe. Et ce temple y est resté jusqu'à la venue des Turcs. Et ils l'ont détruit pour rebâtir sur le même emplacement la mosquée qui existe jusqu'à ce jour. Dans le mur de lamentation, ça peut être le temple. Il est démontré que sous cette muraille, il y a un amphithéâtre romain. Les données archéologiques montrent qu'il y a 50 civilisations en dessous d'Israël. C'est-à-dire en dessous de Jérusalem, il y a 50 couches de civilisation. Donc si en bas de la muraille, il y a des vestiges d'un amphithéâtre romain, alors il y a un problème
comment un édifice avant Rome va être en haut et que les vestiges romains sont en bas. C'est encore un mensonge, un fonds de commerce qui a été introduit par la maman, alléluia, de l'empereur Constantin, parce que le culte du relique a commencé par la maman de Constantin, l'empereur romain, qui deviendrait un soi-disant chrétien. C'est là où on parle des clous de Jésus, la croix de Jésus. Ils ont fabriqué une histoire appelée le Saint Graal qui n'existe pas. C'était des éléments, alléluia, pour étoffer une religion, pour pousser les gens à combattre l'islam. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est à cause de ce mensonge que l'Église catholique a persécuté à mort les Juifs. Parce que l'objectif, c'était de faire disparaître les Juifs de la terre afin que les mensonges puissent perdurer pour assujettir les nations. Et Édom, c'est lié à eux. Quelqu'un peut dire amen à cela? Voilà quoi on appelle les Juifs en Europe les peaux rouges. C'est-à-dire les roux. Et c'est Édom qui s'est blanchi avec la race blanc qui a produit, alléluia, des hommes roux avec des yeux bleus et des cheveux, alléluia, roux dont frère Branham parle. Il dit, vous dites que le juif est de teint sombre. Oui, le juif est une personne brune, mais j'en ai vu beaucoup d'entre eux qui avaient, alléluia, des teints très clairs, des yeux roux, des yeux bleus et des cheveux roux. C'est Édom. Il s'associera avec Japhet. Édom s'associe avec Japhet pour se venger. Parce que lorsque Édom a entendu que son père a béni Jacob, il poussa un grand cri. Amen. Et il n'a jamais pardonné son frère. Et donc, l'errance de Jacob libérera Édom et Édom cherchera à le détruire. Voilà pourquoi, selon le psaume 83, il forme une coalition dans un seul but pour que la mémoire d'Israël soit effacée de la terre. Alléluia. Ainsi, l'effacement de la mémoire d'Israël commence dans 2 Rois chapitre 17, le verset 19 jusqu'au verset 23, je relis. Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Il avait suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David. Et il avait fait roi Jéroboam, fils de Nabat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Et les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés de Jéroboam que Jéroboam avait commis. Et ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où ils sont restés jusqu'à ce jour. Ça, c'est la Bible. Donc, selon le texte,
écrite par Esdras, parce que ces textes-là ont été écrits après la déportation. Ok? Israël est où? En Assyrie. Mais nous sommes allés, pour aller analyser les annales assyriennes, nous découvrons qu'il n'y avait que 27 290 Israélites qui étaient en Assyrie. Amen. Mais Osée chapitre 9, le verset 3 et le verset 6, il montre que le reste était parti en Afrique. Amen. Et c'est à partir de l'Afrique, de l'Égypte, de Patros, de l'Éthiopie et de-delà des fleuves de l'Éthiopie que Dieu va les réunir, va les appeler et va les rassembler avec ceux de Juda au dernier jour. Amen. Il y a un livre qui ne fait pas partie de ce 66 canons de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse d'Esdras. Alléluia. Je crois que quelqu'un peut m'amener la King James qui se trouve, la Bible King James qui se trouve chez dans le bureau. Vous voyez, Frère Bana me dit dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, au jour de la voix du septième ange. Et puis Frère Bana me dit que dans la version King James, là où il est dit ange, on a mis entre parenthèses aigle. Donc quand vous lisez, Frère Branham dit que King James là, c'est une traduction de la Bible. Mais King James n'a pas le même nombre de livres qui se retrouvent dans les Bibles actuelles. Dans la King James de 1611, la première, on avait inséré et les apocryphes. Alléluia. Donc, dans les Bibles actuelles, nous n'avons que un Esdras. En fait, il y a quatre livres d'Esdras. Il y a Esdras 1, il y a Esdras 2, ce qu'on appelle Néhémie, sinon que c'est le livre d'Esdras. Il y a un troisième livre d'Esdras et il y a un quatrième livre d'Esdras qu'on appelle l'Apocalypse d'Esdras. Alléluia. Et l'Apocalypse d'Esdras a été retrouvé chez les Éthiopiens, les Juifs éthiopiens. Donc il y a plusieurs archives complémentaires de la Bible qui ont été gardées par les Éthiopiens. Donc le retour des Falachas, une partie des Falachas en Israël, ce n'est pas parce que les gens aimaient les Noirs, non. La preuve c'est qu'on les maltraite jusqu'à aujourd'hui. On est en train de les stériliser même jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Alléluia. Le contrat pour le rapatriement des Falachas 1, c'était parce que les Arabes commençaient à attaquer les Juifs pour dire que vous n'êtes pas les Juifs d'origine parce que les vrais Juifs sont de couleur noire. Et pour éviter l'instabilité, voilà pourquoi il fallait aller à la recherche d'une souche pure qui était les Falachas. Alléluia. Deuxièmement, les Falachas ont gardé les ustensiles sacrés du temple et des manuscrits sacrés. Voilà pourquoi il y a un livre qu'on appelle l'Assomption de Moïse, que dans le livre de Jude, Jude cite ça. Quand l'ange Michael discutait avec Moïse, il n'a pas maudit, il a dit que l'Éternel te réprime. Alléluia! Ce récit-là ne se trouve pas dans la Bible. Ça se trouve dans un livre appelé Pseudopigraphe, qui est l'Assomption de Moïse. Et ce n'est pas Moïse qui l'a écrite, parce qu'un mort n'écrit pas sa mort. Je n'ai pas avancé. Enoch dit, c'est pour eux que Enoch a prophétisé en ces termes, que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement. Lorsque tu repars dans la Genèse, cette partie n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre pseudo-pigraphe qui existe. Alléluia!
qu'on appelle le livre d'Enoch. Quelqu'un dit alléluia. Pierre qui parle que Jésus-Christ, le troisième jour, est allé prêcher aux âmes qui étaient enchaînées et qui ne s'étaient pas converties lors de la patience au temps de Noé. Dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Ça se trouve dans le livre d'Enoch. Étant monté aux cieux, il a fait des dons aux hommes. Paul qui dit ça, ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Ça se trouve dans le livre d'Enoch. Paul dit à Timothée, amène-moi mon manteau, amène-moi mes parchemins et mes livres. Les livres là, ce n'est pas la Torah. Quelqu'un peut dire alléluia. Paul parle de la résurrection. Des grains, tout ça, des différents corps. Ces informations-là se trouvent dans les livres de l'Apocalypse d'Esdras. Jésus parle que c'est pourquoi Dieu vous, il est écrit dans la loi que Dieu vous, je vous envoie des prophètes, des scribes et des sages ou des apôtres. C'est pourquoi c'est écrit dans la loi. Ça ne se trouve pas dans la loi de Moïse. Ce verset-là, Jésus l'a cité dans la source de l'Apocalypse d'Esdras. Je suis en train de vous montrer, alléluia, que vous devez vous élever un peu. Quelqu'un dit alléluia. Parce que l'Église catholique a tout fait pour que la vérité soit cachée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous avons mangé le miel et nos yeux se sont ouverts. Tu ne peux pas venir contredire. Non, ils sont en train de parler des juifs. Toi, tu as lu quel livre? Tu as consulté quel document, toi? Ayez quand même le respect pour vos chercheurs. Il y a quoi avec les Africains? Vous avez quel problème, dites-moi? Des gens qui blanchissent leur nuit en train de mener des recherches. Et tu te lèves un matin. Tu as lu ta petite Bible falsifiée par des Romains et les Grecs. Et tu veux parler. Quelqu'un peut dire alléluia. Voilà pourquoi il y a une information complémentaire qui va nous montrer qu'est-ce qui est arrivé aux Juifs qui étaient partis en Assyrie. Parce que la bataille de Carchemish entre les Égyptiens et les Babyloniens, alléluia! En fait, les gens ne comprennent pas la Bible, quoi. Pourquoi Josias vient s'interposer à Nécho? Il dit que Dieu m'a dit d'aller à Carchemish là-bas sur l'Euphrate. Parce qu'il devait s'interposer aux Babyloniens. Donc c'était des enjeux historiques qui se jouaient là-bas. Et Nécho dit que Dieu m'a dit, ne me fais pas la guerre parce que j'ai la parole de Dieu. Comment un pharaon dit à un hébreu, à un juif, que j'ai la parole de Dieu? Alléluia! Mais Dieu parle par ses prophètes, alors que les prophètes de l'Éternel étaient en Israël. Jérémie, qui était le prophète majeur en ce temps-là, était en Israël avec Josias. Mais comment Jérémie n'a pas vu ça? Faites attention, mon frère. Quelqu'un dit alléluia. Parce que Pharaon était prophète, fils de Ra. Ils étaient la parole faite chair. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire alléluia? Voilà que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le pharaon des pharaons.
Parce que Pharaon veut dire le temple même de Dieu, l'habitation de Dieu sur la terre. Et Jean dit que au commencement était le Logos. Le Logos, le Noun, est devenu chair. Donc, le concept Logos n'est pas grec. Les Grecs ont volé ça chez les Égyptiens. Donc le concept incarnation est un concept de la cosmogonie égyptienne. Et Pharaon était le fils de Dieu sur la terre. Et William Branham dit que la deuxième Bible, après la première Bible qui est le ciel, la deuxième Bible, elle est égyptienne. Et la troisième Bible, c'est ce que Moïse nous a donné. Et les trois sont d'accord. Bon, la Bible actuelle a été écrite par des prophètes. Mais les Bibles sur la pierre, qui a écrit? Faites attention. Faites attention. Eh monsieur, fais attention. Si tu ne connais pas, prends simplement les bandes, même dans ta chambre, étudie calmement. Sinon, tu vas croiser l'ouragan du midi. Non, réjouissons-nous un peu, réjouissons-nous un peu. Réjouissez-vous, mon frère. Soyons de la joie, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse se prépare. Alors, maintenant, vous pouvez vous asseoir. On va régler le problème dont je vous avais promis. Donc, j'ai voulu vous montrer qu'il y a le testament d'Adam qui existe. Ça existe. Alléluia. Il y a la Torah du Jubilé qui existe. Et dans la Torah du Jubilé, il est dit que Cam et Sem partagent le pays d'Éden, séparé par le Guillon. Donc l'Afrique n'appartient pas simplement à Cam. L'Afrique est un héritage partagé entre les Sémites et les Camites. Voilà pourquoi Abraham est reparti en Égypte. C'est-à-dire, vous êtes encore des enfants et des choses qu'on ne peut pas vous dire. Il faut que vous puissiez mûrir un peu. Donc le docteur a parlé ici du brassage. Quelqu'un peut dire alléluia. Et vous finirez par comprendre, même les Hébreux ne sont que une projection des Égyptiens. Et Dieu a pris Moïse. Il a formé dans les universités égyptiennes. Et il sort de l'Égypte. Il lui donne la loi dans la technologie qu'il a appris là-bas. Laissez, mon frère. Bon, je suis dans l'Apocalypse d'Esdras. Je vais donner ça aux techniciens. Chacun pourra lire. Vous allez découvrir des choses là-bas. La page 104, je parle de la vision d'Esdras. Le verset 37 est dit. Non, à partir du verset 33. Quand tout le peuple entendront sa voix, ils abandonneront chacun leur pays et les guerres qui les ont entre eux. Ils se rassembleront en une foule innombrable comme tu as vu et voudront le combattre, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Lui se tiendra sur le sommet de la montagne de Sion. Sion viendra et apparaîtra à tout prête et fortifié. Et comme tu as vu cette montagne sortir par elle-même et être créée par la main, aucune main d'homme, c'est le Fils qui reprochera au peuple les péchés de ceux qui étaient comme une tourbillon. Il entassera devant eux leurs mauvaises actions et le grave châtiment qui les punira. C'est-à-dire, quand tu lirais ce livre-là, il vous montre que ah là là, que la terre est créée en 10 niveaux.
et nous sommes arrivés au 9e et le 10e niveau. Alléluia. Est caché sous cette terre-là. Et viendra le temps de la purification. Il y avait une nouvelle terre qui sortira. Les trucs que Frère Branham raconte, nous explique dans la demeure future que la nouvelle terre sortira de la. Vous ne comprenez pas. Où est-ce que Frère Branham a eu ça? Quelqu'un peut dire alléluia? Vous ne connaissez ni la parole, ni même Frère Branham dont vous pensez aimer. Vous connaissez Frère Branham? Vous connaissez ce qu'il a lu? Non, ici, on parle de cette terre-là. Frère Branham dit qu'il y aura une éruption volcanique et puis une montagne sortira. Ça se trouve ici? Il dit, ceux qui étaient comme la flamme, il fera disparaître avec leurs péchés ceux qui étaient comme des charbons ardents. Maintenant, la partie qui nous intéresse ici. Quant à la foule pacifique que tu as vue se rassembler autour du Fils de l'homme, ce sont les 9 tribus qui furent emmenées en captivité de leur pays au temps de Salmanazar, roi des Perses, qui les conduisit prisonniers dans son royaume. Donc là, Esdras dit 9 tribus. Pourquoi? Parce que la 10e tribu, vous savez c'est qui? Ce sont les Danites qui avaient fui avant. Donc lorsqu'on dit les ténèbres ne continueront pas à régner sur une terre où il y a l'angoisse, si le temps passant est gouverné par les ténèbres, les temps à venir seront gouvernés par la gloire. Le peuple assis dans la vallée de l'homme, la contrevoisine de Nephtali et de Zabulon. Alléluia! C'est une prophétie qui parlait des faits réels parce que le territoire de Zabulon et de Nephtali était la voie principale par laquelle les Assyriens étaient descendus. Donc les tribus qui ont subi des razzias, c'était la tribu de Zabulon et de Nephtali. Voilà pourquoi il dit que ce peuple assis dans la vallée de l'homme de la mort, il voit une grande lumière. Donc là même, Ésaïe 7 et Ésaïe 8, ça parle des dispersés. Et le fils qui est même promis là, c'était un signe, qui était un fils naturel, c'était la naissance d'Ézéchias, roi. Et cette prophétie prendra des proportions plus tard, 7 siècles, pour devenir Jésus. Amen. On ne blague pas, on est sérieux là. Vous pensez comment c'est levé si on commence à dire des choses qui ne se disent pas si on n'a pas lu? C'est un protocole qui vous donne l'autorité, mon frère. C'est avec ça que les autorités vont se convertir. C'est avec ça que les rois de la terre vont se convertir. C'est avec ça que tu peux demander l'audience au président de la République. Je vais te prêcher la parole. Il y a de quelle parole? Non, écoute le message qui fera de toi un bon roi, qui fera de toi un bon ministre, qui fera de toi un bon comptable. Alléluia! Pourquoi les gens vont dans les obédiences au culte? Parce que l'église ne leur donne rien du tout. C'est le commerce. Donnez ceci, vous aurez ça. Donnez ceci, vous serez... Mais... Quelqu'un peut dire alléluia! On n'est pas là dans l'enrichissement personnel. On fait le calcul, bon, j'ai 1000 personnes, si me donnent 1000 francs, j'ai 1 million le mois. Apporte pas la bénédiction. Quelle bénédiction? On parle de la délivrance de l'Afrique ici. Quelqu'un dit alléluia. On vous donne les clés pour aller conquérir votre héritage. On vous montre comment creuser. Parce que Isaac avait creusé. Et lorsque vous allez creuser, il y a des choses qui sont en bas là-bas. Tu vas creuser. Tu vas creuser. Tu vas tomber sur quelque chose. Tu n'as pas besoin de sacrifier quelqu'un. Tu vas chasser le démon qui garde l'héritage. Tu vas prendre la richesse pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà le vrai sens de la prospérité. C'est la délivrance des nations. Parce que chaque, derrière chaque nation, il y a un démon. Et Daniel, alléluia, a été confronté à ça. Derrière le royaume de Perse, il y avait un démon.
Mais Daniel est rentré dans la spiritualité, de la purification, de l'intercession, jusqu'à ce que Michaël est venu pour chasser ce mauvais esprit-là. On ne peut pas prêcher ces choses sans l'intervention des archanges. Et les sept archanges sont ici en Afrique, en train de libérer, en train de combattre. Et Gabriel avait dit à Daniel, il y aura guerre. Voilà quand je vous parle des guerres de l'Éternel. Allez-y conquérir le butin. Dans cette foule pacifique qui était autour du Fils de l'homme, c'était les 9 tribus qu'on avait amenées en déportation par Salmanazar. Maintenant, la Bible dit qu'ils sont restés jusqu'à ce jour. Mais Esdras ici dit, ceux-ci, d'eux-mêmes, conçurent ce projet d'abandonner la race de leur peuple et d'aller dans une terre qu'aucun homme n'habitait, afin de garder leur loi qu'ils n'avaient pas gardée dans le pays. Ils pénétrèrent par la passe étroite de l'Euphrate. Alors, le Très-Haut fit pour eux un miracle. Il arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils furent passés. Leur pays est à la distance d'une année et demie et son nom est Azaph. Ils restèrent là jusqu'à dans le dernier jour. Et puis quand ils seront sur leur retour, l'Éternel, le Très-Haut, arrêtera encore les sources du fleuve pour qu'ils puissent passer. Et quand ils auront anéanti ces peuples nombreux qui seront rassemblés autour de lui, alors il affermira ceux qui sont restés. Voilà de là où est né le mythe du Sambatillon. Vous êtes avec moi? Amen. C'est à partir de ce livre-là, Christophe Colomb, qui était un juif blanc, mais qui a sympathisé avec les juifs noirs et qui a été initié par les Maures, qui connaissaient les lois de la navigation et le zodiaque. Alléluia! Parce que les Maures sont un peuple colon, colonisateur, qui connaissait, c'était le peuple de la mer. Alléluia! Et donc Christophe Colomb avait appris cette technologie. Et il a cherché à aller en Inde. Parce qu'ils entendaient qu'il y a un pays qui est entre l'Inde et l'Afrique. Il y avait, en fait, comment je vais vous expliquer? Il y avait un problème en Europe. Des informations du genre, il y a un paradis terrestre quelque part entre l'Inde et l'Afrique. Et il y a un roi appelé le prêtre Jean. Et dans son royaume, il y a trop d'or. Et le prêtre Jean est en conflit avec les tribus d'Israël. Maintenant, il n'y avait pas de la technologie pour faire des calculs de la navigation maritime. Et Christophe Colomb s'est référé à l'Apocalypse d'Esdras pour dire que quitter la Perse jusqu'à Azaph, il y a une distance de une année et demie parce que les tribus perdues avaient traversé, alléluia, le golfe persique pour le nouveau pays. Et donc, si Christophe Colomb est allé découvrir l'Amérique, quelqu'un peut dire alléluia, il a utilisé un code ancien qui est hébraïque. Il a lu le même verset que je vous ai lu ce soir, ce matin. Donc nous comprenons par là que les 20 000 ou les 27 290 juifs ou israélites qui se sont multipliés avaient pris la résolution de quitter le pays de la déportation pour se retirer vers une terre inhabitée. Alléluia! Qui est Azaph. Et ses secrets sont restés cachés depuis la nuit des temps par les Hébreux eux-mêmes. Voilà pourquoi dans Actes 21, le verset 38, qu'il y a un monsieur qu'on appelait l'Égyptien, qui selon la charte romaine était un brigand.
Et il venait de temps à autre faire quoi? Prendre des milliers. Ok, je vais vous lire même le... Comment vous... Regarde. Acte 21, 38. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté derrière moi et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Ce n'est pas 40 personnes. 4000 brigands dans le désert. Un Égyptien. Bon. Comment un Égyptien, il vient se révolter dans un pays qui n'est pas le tien? Et il prend quand même 4000 personnes comme ça. Et puis les Hébreux, les Juifs vont suivre un étranger, 4000 personnes, qui va vous amener dans un désert pour mourir. Alléluia. Parce que c'était l'Empire romain qui régnait. Même l'Égypte, en ce temps-là, c'était sous la suzeraineté de Rome. Donc quand on passe à un Égyptien, ce n'est pas l'Égypte du pays. Quelqu'un peut dire alléluia. C'était un Africain. Voilà que Paul a été confondu à cet Africain-là. Ça veut dire qu'il quittait l'Afrique profonde. Parce qu'il ne pouvait pas prendre ce genre de personnes, 4000 personnes, pour les amener en Égypte. Alors qu'il y avait des légions égyptiennes là-bas et romaines là-bas. Il les a menées à travers le désert pour les faire descendre dans l'Égypte profonde, qui est l'Afrique. Voilà que Paul est devant lui. Alléluia. On dit, mais c'est toi l'Égyptien là. Il dit, non, moi je suis juif. Donc c'est pour ainsi montrer, tu ne peux pas distinguer, amen, un juif avec un Égyptien. Donc selon l'Apocalypse d'Esdras, ceux qui étaient partis en Assyrie avaient fini par se délocaliser pour aller rejoindre leurs frères afin d'appliquer les lois qu'ils n'avaient pas pu appliquer en Israël. Donc, nous comprenons par là, vous fouillez les Juifs. En Assyrie, il n'y en a plus. Ils se sont délocalisés. Alors, ceux-là qui sont à Babylone, une partie reviendra pour venir reconstruire le temple et les murs de Jérusalem. Et à partir de ce moment commence l'étude de la Torah et le développement, l'interprétation du Talmud, du Midrash, la Kabbale et tout. Quelqu'un peut dire alléluia? Si il est parti là en parle de la magie juive qu'ils ont ramassée à Babylone. Vous êtes avec moi? Et même dans le calendrier hébraïque, vous trouvez les mois comme les boules, le Tammuz, que lorsque vous allez chez les Égyptiens, comme les Falacha, ces noms-là n'existent pas. Amen. Pourquoi? Parce que ceux-là qui reviennent de la déportation, ils sont déjà souillés avec le culte babylonien. Amen. Et ils passeront 400 ans sans un prophète. Le temple qui fut dédicacé, il n'y avait pas l'arche de l'alliance là-dedans. Il n'y avait que le rouleau. Quelqu'un peut dire amen à cela? Où est l'arche? Parce que parmi les ustensiles du temple qui sont allés à Babylone, il y avait quelque chose qui manquait, l'arche de l'alliance. Où est partie l'arche? Et Jérémie a dit, l'arche disparaîtra. Alléluia. Elle ne reviendra plus dans les mémoires des gens. Et le seul moment où l'on fera allusion à l'arche, c'est dans le livre de l'Apocalypse, lors de la sonnerie de la septième trompette, et dans le ciel, dans le temple de Dieu, on voit l'apparition de l'arche de l'Alliance. Mais l'arche est allée où?
Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Alléluia. Les Hébreux n'ont pas mis ça dans la Bible. Amen. Mais quand tu vas dans le Kebranagest, le Kebranagest, c'est un document qui retrace la lignée des Salomonides depuis Ménélique Ier, c'est-à-dire le fils de Salomon avec la reine de Séba, qu'on appelle la reine Makeda. Donc il y a toute une lignée jusqu'au dernier qui est le Négus égyptien, Haïlé Sélassié. Quelqu'un peut dire Alléluia. Suivez, voilà pourquoi les Juifs noirs d'Amérique n'avaient pas, c'est-à-dire rien ne les est poussé d'aller en Palestine parce que la Palestine était sous l'Empire ottoman. Ils avaient une orientation précise vers l'Afrique parce qu'en Afrique, ils avaient le sang biologique de Salomon qui est l'empereur éthiopien. Quelqu'un peut dire Alléluia. Bon, tout le monde connaît que Haïlé Sélassié, c'était une descendante, directement descendante de David. Est-ce qu'il était blanc? Quelqu'un peut dire Alléluia. Voilà quoi vous voyez, les Afro-descendants ne regardent pas vers la Palestine, ils regardent vers l'Afrique parce qu'ils savent bien que les Juifs, ils sont noirs et leur territoire, c'est à partir de l'Afrique que Dieu va les visiter. Dans le Kebranagest, il est dit que Ménélique avait pris l'arche et que le fils de Sadoc voyait déjà que l'empire était instable. Quand Ménélique est reparti, selon les instructions de sa mère, pour aller apprendre le Dieu de son père, Alléluia! Salomon a voulu l'établir roi. Et les sacrificateurs se sont opposés. Vous dites Amen à cela? Pourquoi Salomon a aimé la reine de Séba? C'est à cause de sa couleur de Dieu. C'est à cause du taux de la mélanine élevé. Donc Salomon avait un problème génétique. Il était roux. Et il a arrêté ça, c'est David qui était roux. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et il voulait un enfant qui soit très sombre, fort. Et devant lui se trouvait une reine très sombre. Il dit, c'est avec elle que je vais faire un enfant. Et dans le Kebranagest, il est dit, quand Salomon demande où est l'arche, les sacrificateurs disent, l'arche de l'alliance n'est pas là. Il dit, c'est elle où? C'est ton enfant qui n'est pas de même couleur que toi. Et les blancs disent, voilà que Salomon était blanc. Non, la différence de la couleur, parce que Salomon avait un problème génétique et qui a été réglé. Parmi ses enfants, celui qui n'avait pas ce problème-là, c'est Ménélique. Parce que le taux de mélanine de sa maman était très élevé. Et Andy, il est parti avec l'arche. Hallelujah! Parce que lorsqu'on a refusé que l'enfant ne règne pas, parce que Salomon voulait unir l'Orient avec le Midi, pour que son pouvoir soit immense. Et même Makeda elle-même, dans le Kebranagest, il est révélé qu'elle faisait partie des fils de Moshe. C'est-à-dire c'était une lignée hébraïque éthiopienne par Jéthro. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Et donc la mission d'aller en Israël, c'était pour élucider ces énigmes-là, pour unir les deux royaumes par cet enfant-là. Voilà pourquoi l'emblème de l'Éthiopie, c'est le lion. Quelqu'un veut dire Alléluia. Et vous voyez bien que Haïlé Sélassié pouvait s'asseoir avec des lions. Il est dompté. Je me pose la question,
comment l'emblème d'Israël est devenu l'étoile à 6 branches. Alors qu'on sait bien que Judas, c'est le lion. Salomon, quand il a fait son trône, il a mis 6 lions ici, 6 lions là, et ces lions-là ont été faits en ébène d'ivoire. Et la Bible dit, alléluia, que les navires de Salomon faisaient le tour de l'Afrique pendant une année pour ramener l'or d'Ophir qui revenait du Zimbabwe et de la RDC. Je peux entendre un amen à cela. Les ivoires qui venaient d'ici. Je peux dire un amen à cela. Ça fait 15 ans que Dieu m'avait dit de venir ici sans savoir pourquoi. Et je suis venu, je ne savais pas pourquoi. C'est maintenant que j'ai compris. Écoutez, le prophète voulait, il a reçu le sponsoring des Juifs pour aller faire le signe du Messie en Israël. Il prend l'avion, il arrive en Égypte, escale encore. Il descend, il va quelque part, il a vu un éléphant noir avec les cornes d'ébène, c'est-à-dire les ivoires. Il tient l'éléphant, il tient l'ivoire. Et Dieu lui dit, éloigne-toi de la Palestine. Alléluia. Quelqu'un peut dire alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu ne l'avait pas parlé depuis les États-Unis là? Il vient lui parler en Égypte. Mais précisément, lorsqu'il tient l'ivoire de l'éléphant. Alors, vous avez affaire à un prophète, hein? Et tous les actes d'un prophète sont prophétiques. Et donc, c'est là devant l'éléphant avec les ivoires qu'il a été arrêté. Et le Seigneur commença à m'enseigner. Alléluia! Avant de parler du problème des Hébreux, il faut décrypter l'énigme de l'éléphant avec les ivoires. Oh, vous allez remarquer que, en ce temps-là, chez nous, les armoiries étaient encore une femme qui tenait les Écritures. Et en 2004 et 2017, le Seigneur m'a parlé sur cette femme-là qui avait les Écritoires pour tuer les jeunes. Mais après cela, je ne sais pas ce qui s'est passé, le président a changé les armoiries du pays, il a placé 2 éléphants. Quelqu'un peut dire amen à cela. Après, j'ai compris, il y a un problème. Pour régler le problème d'Israël, il faut les 2 cornes de l'éléphant. Or, il n'y a que 2 pays qui ont les armoiries des éléphants. C'est la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Dieu te bénisse. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, le trône de Salomon, qui est un trône d'ivoire, est en train d'être remonté. Quelqu'un peut dire alléluia. Il y a un réveil. Il y a un réveil. Si pour l'égyptologie, la restauration de l'égyptologie, Dieu a pris un homme chez Konta Diop de l'Afrique de l'Ouest et il a pris un autre du Congo-Brazzaville, la restauration spirituelle, Dieu prend quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, il prend aussi un homme de l'Afrique centrale. Alléluia! Dieu ne change pas. Il a pris Josué. Il a pris Caleb. Est-ce que quelqu'un va dire alléluia? Pour reconstruire le temple, il a pris Josué, il a pris Zorobabel, il a pris Néhémie, il a pris Esdras, parce que c'est un Dieu de dualité. Je me suis arrêté là. L'autre côté, je ne vais pas. Alléluia!
chercher à connaître pourquoi la mission de Branham s'est arrêtée là devant l'éléphant et ses ivoires. Alors qu'il avait dit, je crois qu'avant de quitter la terre, il faut que je ramène Israël au Seigneur. Mais il est parti sans ramener Israël au Seigneur. Il voulait partir à Israël palestinien, le faux Israël, là, en Afrique. Parce que Ésaïe 11 jusqu'à 12, il les appellera à partir de l'Égypte, Patros, l'Éthiopie, jusqu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc il y a ce que le prophète pensait et il y a la volonté de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Il était sérieux pour partir là-bas. Mais Dieu l'arrêtait là, devant les cornes d'ivoire. Ce matin, je suis béni. Parce que je vois les ivoires ici. Peut-il sortir quelque chose de bon de la Côte d'Ivoire? Nous n'avons pas de réponse. Viens toi-même et vois. Ça est là. Alors, on va s'asseoir un peu pour avancer. Après, on va décoller. Vous êtes un peuple vorace. Vous prenez tout. Parce qu'un éléphant, quand il passe dans le champ, il dévore tout. Il dévore. Alléluia! Ah, vous commencez à comprendre ce que vous êtes. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes quelque chose. Vous êtes dans la mission du midi. Je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Ô Seigneur, comme a dit Siméon, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu ta gloire. Voilà pourquoi tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même femme. Je te déplace de la position de la veuve de Sarepta vers la femme tsunamite. Je te déplace de la position du sycomore, là où même les archers peuvent se lever. Je t'amène vers le cèdre du Liban. Quelqu'un dit alléluia. Je change ta situation dans le nom de Jésus-Christ. Des pierres, on transforme tes pierres en argent, en or. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui a dit, à moi l'or et à moi l'argent. Est-ce qu'on peut se réjouir un peu? Alléluia! Non, dis à ton frère, tu es béni. Sœur, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Parce que la jalousie d'Ephraïm et la jalousie de Judas disparaîtra. Ça, c'est fini. L'Égypte se lie avec Israël. Et nous voyons maintenant Dieu lui-même est en train de lever l'autel au milieu de l'Égypte. Voilà la véritable adoration. Sophonie, vous avez vu. Alléluia! Ésaïe, vous avez vu. Les prophètes, vous avez vu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le fleuve Sambatillon est en train de sécher afin que les Israélites et les enfants de Moïse puissent s'unir. Parce que Dieu avait dit, il va prendre le bois de Judas et le bois de Joseph afin qu'on ne parle pas de deux bois, qu'on parle d'un seul bois. L'heure de la restauration a sonné. La mémoire qui était perdue est en train de revenir. Nous rentrons maintenant dans les champs. Alléluia! Et là, nous goûtons le miel.
Alors écoute mon frère. Lorsque le temple a été incendié en Israël, les Lémba, les sacrificateurs, qui avaient quitté Israël, sont allés en Égypte. Et dans la ville appelée Éléphantine, en Haute-Égypte, ils avaient construit un nouveau temple et ils offraient des sacrifices. Pendant que Daniel pleurait que la ville est en désolation, qu'il n'y avait plus de sacrifices, mais la flamme des sacrifices dans le pays de Midi continue à s'allumer. Parce que Dieu n'est pas l'auteur du vide, c'est un Dieu de remplacement. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Donc pendant ce temps qu'on voyait Israël, le temple dans la désolation, Dieu avait suscité un autre temple en Afrique. Appelez, allez chercher le mot sur YouTube ou sur Google, la ville d'Éléphantine. Amen. Ou Tel Yehudia, les Yehudis. Vous verrez un ancien temple juif dans le pays d'Égypte. Donc l'adoration, quand elle a cessé de l'autre côté, en Afrique, quelqu'un peut dire Alléluia. Ça continue. Pendant que les gens vont en pèlerinage à Jeffersonville, ils pensent que Dieu est là. Où est Dieu? Où est l'onction? Où est à la prophétie? Branham a fait la vision. Il a vu une réunion première. Après, la réunion avait disparu. Il a vu une autre réunion qui était plus grande que la première. Et Branham a dit, notez cela calmement. Et dans cette réunion, lui n'était pas là. Mais l'ange qui lui parlait était à l'intérieur de la réunion. Et il dit, l'ange faisait de l'aller et des retours avec une lumière oscillante. Il a vu un peuple s'élever de la terre avec des mains tendues. Et Branham, blanc qu'il soit, la première question, il a bien regardé. Sont tous-ils des blancs? Et quand il a regardé, il n'y avait pas blanc là-bas. Il dit, j'ai vu. Hallelujah! Des belles personnes. Quelqu'un peut dire Alléluia. Comme un mon frère là, bien habillé en africain. Il dit, je voyais la grande race noire s'élever. Et Alléluia. Et quand il se levait dans l'adoration, c'est l'accomplissement de Sophonie 3:10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Et Branham a entendu derrière lui, pas devant lui, derrière lui. Ça, c'est l'après Branham. Il a entendu. Il n'a pas fait. Il a entendu un bruit assourdissant, un bruit dérangeant comme le son d'une dynamo. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Les Juifs de Dieu sont noirs et ils sont en Afrique. Ce n'est pas Branham qui a dit. C'est un bruit assourdissant qui dérange les oreilles. Branham lui-même, il entend cela. La traversée du Sambatillon. Ce n'est pas Branham qui dit ça. Mais ça existe. C'est dans le Talmud. Ça, c'est encore quoi? C'est un bruit assourdissant, comme une dynamo. C'est dans cette réunion du midi que ça se fait. Et Branham a dit, ce réveil-là était plus puissant que le réveil de l'Ouest. Quelqu'un peut dire Alléluia!
S'il y a une génération après nous, elle va faire quoi? Elle va nous dépasser. Quelqu'un dit Alléluia! Quelqu'un dit Alléluia! Voilà que nous ne sommes pas influencés par des titres du genre « J'étais avec Frère Branham ». Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a une génération après nous, est-ce qu'après Branham, il y a une génération déjà? Oui. C'est 56 ans après Branham, nous sommes. Alors, dépassons. Dépassons de la connaissance. Dépassons de la puissance. Dépassons de la richesse. Dépassons en joie. Dépassons en acclamation. Dépassons en toutes choses. Oh, hallelujah! Quand le réveil s'est éteint à Jérusalem, dans la ville d'Éléphantine, il y avait un autre temple qui a été érigé. Et les flammes de l'adoration continuaient au midi. Quelqu'un va dire Alléluia! Quelqu'un va dire Alléluia! Pendant que les gens se moquaient des prédicateurs du message, pensant que tous ils sont bloqués. Mais là, en Côte d'Ivoire et au Congo-Brazzaville, Dieu a redémarré la machine avec les deux cornes des éléphants. Alors, je vais vous donner d'autres informations. Quelqu'un dit Alléluia. Les Juifs ont contribué à la fondation de la ville d'Alexandrie en 332. Amen. Ils ont été rejoints par 12 000 Judéens de la Judée et de la Samarie, déportés par Ptolémée le premier après la prise de Judée. Parce que Ptolémée avait conquis la Judée et il a déporté encore 12 000 Juifs qu'on a transportés en Afrique. Donc, c'est une affaire sérieuse. La colonie d'Éléphantine, qu'on appelle la cité de Tel Yehudia, il y avait un temple là. Et ce temple-là était un temple sacré dédié à l'Éternel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a fui en Égypte. Parce que sa famille se trouve en Afrique. Frère Branham nous a dit, lisez un petit livre qu'on vend dans la rue, Le prince de la maison de David. Mais le prince de la maison de David, c'était un rapport où la jeune fille écrivait chaque événement de Jésus qu'il envoyait par les marchands qui quittaient Israël, Jérusalem vers Alexandrie. Chaque semaine. Comme un journal qui a été rassemblé et c'est devenu un livre. Et ce livre-là est plus même précis que Matthieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et c'est dans ce livre-là que vous allez voir que, amen, que l'anneau sur lequel Jésus était monté était un anneau blanc. Et quand Frère Branham dit que Jésus était monté sur un anneau blanc, les prédicateurs ont dit non, Frère Branham avait fait une vision. Il avait même la couleur de l'anneau. Il n'y a pas la couleur de l'anneau. Il n'y a pas une vision. Frère Branham a lu. Toi, tu ne veux pas lire. Et tu transmets des faussetés. Quelqu'un peut dire Alléluia! Et dans ce livre-là, Adina dit bien que Jean-Baptiste, sa physionomie était la même comme celle de Joseph, le nôtre, lorsqu'il a été dépeint par les médaillons égyptiens. Donc Jean-Baptiste avait la même forme avec Joseph quand il a été dépeint, habillé par des Égyptiens. Donc les Égyptiens sont comment? Alléluia. Et dans Jean-Baptiste, c'était comment? Ça se trouve écrit là. Nous avons ce document-là. On vous donne ça. Lisez. Amen. En l'an 70, Titus vient détruire le temple. Et il prend 30 000 colons juifs qu'il amène à Carthage, c'est-à-dire la Tunisie actuelle.
Carthage ou la Tunisie d'aujourd'hui, c'est un pays des Noirs, les Carthaginois. Mimide, ils sont des Noirs. On connaît les blancs là quand ils sont arrivés au 7e siècle. Quelqu'un peut dire alléluia. Maintenant, ces juifs-là de Carthage sont où? Ils ont été chassés par l'invasion arabe qui les contraignait de se convertir à l'islam. Et progressivement, ils ont fui vers l'Afrique de l'Ouest. Il y a un document qu'on appelle les Juifs de Sahara, ou les Juifs, les toits au Moyen Âge. Ça existe. Le problème de l'Afrique, il ne veut pas lire, mais il veut contredire. Tu n'as pas lu? Tu n'as que des films de Hollywood. Et tu as l'audace de venir contredire les gens qui ont lu. Parce qu'après la destruction du temple, tous les juifs n'ont pas été chassés de la Palestine. Les juifs y sont restés. Et lorsqu'on a reconstruit le temple païen, et on a contraint, on a levé, je crois, l'idole de l'empereur Adrien, on a contraint les juifs d'adorer ça. Ça a créé une deuxième révolte qu'on appelle la deuxième grecque, la deuxième guerre judéo-romaine. Entre 132 à 135, il y a un édomite qui s'est levé, appelé Bar Kokheba, qui a mené tout un mouvement de révolte. Et c'est à l'issue de laquelle les juifs perdent la bataille et ils ont fui. D'autres ont été vendus en esclavagisme et la plus grande partie des juifs ont fui ici en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest pour venir se cacher. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jérusalem sera rebaptisée Aeolia Capitolina Colonia, c'est-à-dire une colonie romaine en Palestine. Et le juif a été interdit de fouler son pied en terre palestinienne, parce qu'à cause des révoltes. Et ceci jusqu'à la venue de Turcs qui viennent reconquérir Jérusalem pour rebâtir la mosquée actuelle. Et les juifs qui étaient partout dans la Cappadoce et ailleurs, la majorité se sont conglomérés au 7e siècle, se cachaient derrière les Arabes, les morts en Espagne et en Portugal. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est la peste noire ou la grippe espagnole qui les créera à nouveau des problèmes et on les a fomenté une histoire du genre qu'ils ont empoisonné les eaux. Parce que eux, la grippe ne les attaquait pas. Quelqu'un peut dire alléluia. Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils ne sont pas atteints? C'est à cause de la mélanine. C'est la preuve que ces juifs de l'Espagne, ils sont des noirs. À faire masque, ça existait avant. En Espagne, en Europe, ça avait détruit les blancs. Et les juifs, avec leur tradition de laver les mains, tout ça, ils étaient épargnés. Mais il y avait aussi un problème génétique qui les préservait de ça. Et on commençait à les persécuter, disant qu'ils ont empoisonné les eaux. Quelqu'un peut dire alléluia. Et les tests génétiques ont montré que la majorité des juifs ou le peuple qui sont au Congo, ils ont le même empreinte ou signal génétique que les juifs qui ont été déportés de l'Espagne. Quelqu'un peut dire alléluia? Et l'abbé Proyard, dans son histoire, dans son document intitulé « Le royaume Luango, le royaume Coca-Congo et les autres »,
écrit en 1776, il dit que là, à Pointe-Noire, dans le pays de Luango, il a décrit, il y a des juifs de l'Espagne qui sont ici, mêlés avec les autres. Il a dit, ils sont à Mavam, au Gabon, ils sont en Angola, ils sont au Congo. On est en 1777, on a ces livres-là. Quelqu'un peut dire Alléluia. Le docteur Rudolph, il est en train de monter de Babylone à Tombouctou. Comment les juifs ont civilisé toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest? Et lors des conquêtes arabes, ils se sont fusionnés parmi les autres, ils ont changé leur nom. Ils ont abandonné leur langue. Et ceux-là qui n'ont pas pu supporter, ils sont descendus vers le Cameroun, le Congo, ailleurs, pour aller rejoindre leurs frères. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses. Je crois que prochainement, je vais lire tout ce qui est écrit dans ces livres que Mme Edith Bruder a écrit. Voilà pourquoi. Ne nous embobinez pas. Israël est en Afrique. Et ils sont des Noirs. Quelqu'un peut dire Alléluia. Nous connaissons quels sont les royaumes qui se sont convertis. Entre le 4e et le 6e siècle, il y a l'empire d'Indiar, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Yémen. Ce n'est pas des vrais juifs, ce sont des arabes convertis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Donc ne venez pas me parler, non. Les juifs du Yémen sont rentrés. Les vrais juifs qui étaient au Yémen, c'était des Lévi, les Lemba. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et Tudor Parfit, un expert en matière de juifs et un explorateur, a suivi les traces de Lemba. Et il a quitté de Yémen à Siona. Ils sont venus créer Siona vers le Monomotapa, l'empire Monomotapa. Et il a retrouvé les juifs, la lignée des Lévi qu'on appelle les Lemba, qui sont là. Alléluia! Au Zimbabwe et en Afrique du Sud et partout ailleurs, chez nous il y en a. Et on l'a soufflé que les Lemba n'étaient pas venus seuls. Ils étaient venus avec l'arche de l'Alliance. Et il a cherché l'arche de l'Alliance. Finalement, il a découvert qu'il y avait plusieurs sortes d'arches. Et l'arche de Lemba était le ngoma, c'est-à-dire le tam-tam. Quelqu'un peut dire Alléluia! Et il est allé dans le musée. Il a vu l'arche, ce vestige-là. Et voulant venir récupérer ça, Mugabe a fait disparaître ça. Ça, c'est réel. Voilà comment, mon frère, vous avez argent, ne courez pas vers la Palestine. Il y a des zones plus importantes où il faut faire votre pèlerinage. Comme l'Éthiopie. Nous devons aller en Éthiopie, croiser les patriarches pour discuter avec eux. Parce que les vraies informations se trouvent où? En Éthiopie. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il faut aller en Égypte pour aller lire les anciennes Bibles avec les premières iconographies. Là où Jésus est assis avec les disciples. Amen. Ce n'est pas Da Vinci ou Léonard Da Vinci qui a créé ça. Léonard Da Vinci, Alléluia, a reproduit ça et il a falsifié ça et il a blanchi ça. Mais les originaux sont gardés dans des musées égyptiens. Quelqu'un peut dire Alléluia? Nous allons partir là et on va filmer. Les ténèbres ne continueront pas à régner sur une terre où il y a maintenant l'angoisse. Si les temps passés ont été couverts par l'opprobre, mais les temps à venir seront remplis de gloire. Alléluia! 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 Voilà pourquoi le temps est arrivé, mon frère, où ce qui ne se disait pas se dit. Jésus a dit, ce qu'on vous dit dans le secret, montez en public sur les sommets du haut des chairs, publiez cela. Tout ce qui était caché sera mis à découvert. Parce que pour que vous soyez bénis, il faudrait que la mémoire puisse revenir. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Parce que Deutéronome 1, le 18, 28, le verset 1 à 14 parle de bénédiction. Mais le malheur nous a mené à ne lire que le verset 15 jusqu'au verset 68. Mais lorsque le Sambatiyan, le fleuve qui a voilé Israël, sèche le jour du sabbat, le Fils de l'homme descend. Il commence à détruire les nations rebelles.
Édom sera détruit. Quelqu'un peut dire alléluia. Ismaël sera détruit. Quelqu'un peut dire alléluia. Les fils de Lot et tous les autres, ils entrent dans le jugement de Dieu. Et ce qui est en train de se faire maintenant, c'est le jugement de Dieu. Et quand Dieu est en train de juger, il juge par qui? Il dit en ce temps de jugement, il y a une reine, se revêt de la reine du midi. C'est un ministère de dénonciation. Pourquoi elle juge? Quelqu'un peut dire alléluia. Elle juge les Édomites sous la petite corne de Daniel qui ont changé la vérité en mensonge, qui ont espéré changer des lois selon laquelle il y a des passeports ni masculins ni féminins. Mais quand la reine du midi s'élève, il juge tout ça. Quand la reine du midi se lève, il juge l'homosexualité. Quelqu'un peut dire alléluia. Quelqu'un peut dire alléluia. Au temps du jugement, la reine se lève pour condamner cette génération adultère et méchante. Une génération demandeur de signes. Voilà comme vous allez lire dans le livre de Zacharie. Josué, le souverain sacrificateur, était sale, mais se tenait devant l'ange. Et Satan était là pour l'accuser. Quelqu'un dit alléluia. Et l'ange a dit aux autres anges, l'Éternel a dit, habillez-le, changez ses vêtements. Et on l'a habillé dans les vêtements du sacerdoce, dans les vêtements de la royauté. Je peux entendre un amen à cela? Ce matin, cette prédication-là, ça change ton vêtement. Ça change ton témoignage. Ça change tes attitudes. Ça change tes finances. Ça change ton poste. Ça change tes business. Quelqu'un peut dire alléluia. Changez de vêtements d'opprobre pour que vous soyez revêtus des vêtements de la sacrificature, des vêtements de la gloire. Joseph, l'heure est arrivée, quitte ta prison. Joseph, sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Même si tu as oublié qui es-tu, mais il y a quelqu'un qui a parlé de toi auprès de Pharaon. Et il y a une lettre, il y a un ordre qui dit, Joseph, sors de la prison. Quelqu'un dit alléluia. Rase-toi. Sois nettoyé. Change même de vêtements. Rentre dans les vêtements de fin lin. Quelqu'un dit alléluia. Et l'ange a dit à Josué, maintenant, toi et les gens qui sont avec toi, vous allez servir de signe. Amour fraternel et tabernacle, vous êtes un signe mondial. Vous êtes un signe mondial. Vous êtes un signe mondial. Quelqu'un peut dire alléluia. Parce que Dieu a changé vos vêtements. Dieu a changé votre témoignage. Les gens vous ont parlé, vous ont critiqué, les gens racontaient du n'importe quoi, mais vous étiez resté dans la présence du Seigneur. Mais l'heure est arrivée, il dit, maintenant le temps est arrivé, change tes habits. Ok, je change ton vêtement, je t'amène auprès des rois, tu vas parler devant les autorités, tu vas parler devant les ministres, tu vas parler devant les présidents. Tu vas parler devant les entreprises. Change ton vêtement parce que toi et les gens qui sont en toi, vous êtes des signes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que le Dieu de William Branham vous bénisse richement. Que le Dieu du docteur Ake vous bénisse richement. Que le Dieu qui est en moi vous bénisse richement. Change tes vêtements. Alléluia. Tiens-toi devant l'ange. Gloire, 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 gloire.